Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour répondre à vos questions que vous m'avez posées lors de ma précédente FAQ il y a maintenant, je pense, bien un mois. J'ai mis du temps mais je savais vraiment pas où caler cette vidéo dans mon planning, donc en tout cas je la fais aujourd'hui, c'est bon, c'est sûr. Petite précision, ne faites pas attention à ma coupe de cheveux, je me suis coiffée au moins 4 fois ce matin mais c'était un désastre donc ça a donné ça. C'est pas grave, et autre petite précision, je pense que vous avez pu le remarquer, j'ai un nouveau sourire, je n'ai plus mon appareil dentaire, donc je suis aux anges, et je pense qu'une vidéo sur mon traitement arrivera bientôt, je vous expliquerai, enfin, une vidéo où je raconte mon expérience arrivera, peut-être pas forcément bientôt, mais arrivera un jour ou l'autre. Donc, on va commencer sans plus tarder parce que je sais vraiment pas combien de temps va durer cette vidéo, alors c'est parti. Camille me demande si tu devais sortir mal habillée mais super bien maquillée ou très bien habillée mais super mal maquillée, que choisirais-tu ? Je pense que je choisirais super bien habillée mais super mal maquillée. Parce qu'à la limite ça s'enlève, tu vois, mais non, je préférerais être mieux habillée que mieux maquillée. Ensuite, Ilona me dit, est-ce que tu as pour projet d'aller à Paris ? Si oui, un meet-up. Alors, cette question est revenue je ne sais combien de fois. Vas-tu faire un meet-up? Comptes-tu faire un meet-up? Où feras-tu des meet-ups? Pour l'instant, j'ai pas comme projet d'aller sur Paris puisque bah, je suis très jeune, ça coûte assez cher. Comprenez que c'est un peu compliqué. Et les meet-ups, c'est une grande question. Comme je vous l'ai dit, je suis jeune. C'est assez intimidant quand même de passer de derrière un écran à la vraie vie. Je pense que ça doit être une expérience géniale, mais pour l'instant avec ma petite communauté je sais pas si ça vaut le coup de faire des meet-ups parce que certes on sera pas nombreux et ça serait bien mais après j'ai peur que vous vous ennuyiez au meet-up ou je ne sais pas, donc pour l'instant je vais faire des meet-ups c'est sûr mais pour l'instant rien n'est prévu. Question suivante, as-tu des fanbases? Si oui, lesquelles? Alors non, je n'ai pas de fanbase, enfin je n'ai plus de fanbase. Enfin si vous voulez, je suis Selenator parce que bah, je suis fan de Selena Gomez depuis ses débuts. Et sinon, non, j'ai rien d'autre. Question suivante, comment annoncer à ses parents stricts qu'on veut faire des vidéos sur YouTube? Alors, je pense que tu devrais choisir un moment stratégique. Du genre à table ou alors en voiture ou alors enfin un moment où ils sont calmes, pas énervés, attention, et leur dire tout simplement en leur vendant le bon côté des choses bah, que c'est ce que t'aimes faire, que ça pourrait, je sais pas, enrichir ton, je ne sais pas, je pense que tu devrais leur présenter le projet tout simplement et astucieusement et après ça dépendra vraiment de leur avis parce que chaque parent sont différents, chaque personne est différente. Mais tu devrais leur dire précisément ce que tu veux faire en leur disant que c'est ce que tu veux faire, ce que tu aimes et voilà. Tu me demandes où, alors, où je fais mon stage. Je le fais cette semaine dans une école de maquillage à Lyon, donc une école assez réputée, l'école Perfit, ceux qui connaissent. Donc voilà. Tu veux faire quel métier plus tard? C'est une très bonne question, j'en ai absolument aucune idée, je ne sais pas. Je suis paumée, j'en sais rien du tout, j'ai vraiment pas d'idée. 5 produits dont tu ne peux plus te passer. Alors, il y en a bien plus que 5, mais bon. Premièrement, c'est cette petite chose, donc c'est le Gimme Brow de chez Benefit. C'est tout simplement, il y a des poils de plaid, ou de coton, je ne sais pas. C'est tout simplement un mascara pour sourcils, un mini mascara pour les sourcils. Au début, enfin avant, quand je me maquillais, j'adorais les sourcils bien prononcés, bien foncés. Je trouvais que ça faisait complètement une personnalité et ça faisait un visage. Mais depuis que j'utilise ça, ça fait un résultat super naturel et j'y ai pris goût. Donc voilà, si je peux vous le recommander, foncez dessus si vous avez l'occasion. Parce que c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est pas donné ce truc là, c'est ce mini truc tout petit qui coûte 25€, donc voilà. Pour les yeux, j'ai ce crayon ci de chez Essence, donc c'est un eyeliner, enfin c'est un crayon rétractable comme ça, qui est super précis pour faire des traits d'eyeliner super. Donc aujourd'hui je le porte pas parce que j'ai voulu faire simple et j'ai mis juste du mascara que je vais vous présenter après. Mais voilà, c'est le crayon de chez Essence rétractable, noir tout simple. Il est super intense, il s'estompe super bien et il est pas cher, donc je vous le recommande. Toujours pour les yeux, je vous présente ce mascara qui est
une tuerie. Je l'ai testé il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai acheté. Enfin, ma mère l'a acheté il y a une semaine ou deux, ou si c'était un peu plus. Et c'est celui que je porte actuellement. Il me fait des cils de dingue. J'ai que ça là sur les yeux. J'ai juste du mascara. Il me fait une longueur, mais vous avez jamais vu ça. Au début, j'étais pas super fin. J'étais pas super décidée à l'acheter parce que la brosse me tentait pas forcément, mais maintenant je le lâche plus. Pour les lèvres, j'ai ce produit-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui est nude, c'est le 602, je vous l'ai déjà présenté il me semble, et voilà, c'est exactement la couleur de mes lèvres et il est juste super, c'est le nude que je mets à peu près tous les jours, aujourd'hui est l'exception. Et le dernier produit est tout simplement un démaquillant parce que c'est bien de se maquiller mais c'est encore mieux de se démaquiller. Celui-ci c'est le Démaquilleux Express 2 en 1 de chez Garnier, donc il est biphasé, non, si c'est ça, je sais plus, et il est juste incroyable, vous voyez que je l'ai pas mal entamé quand même. Alors il vous suffit de le secouer et d'imbiber un coton de ça, vous posez le coton, vous retirez sans frotter hein, et ça enlève tout, c'est le but, c'est écrit démaquille sans frotter, sans finigras et doux avec les yeux, et il fortifie les cils, donc il a tout pour lui ce démaquillant, il est vraiment pas cher. Si vous avez l'occasion, achetez-le parce qu'il est top. Conseil d'amis, hein. Et enfin, le dernier produit make-up que tu as acheté, eh bien c'est celui-ci, voilà, c'est le The Rocket de chez Maybelline. Voilà. Carla me demande si je vais faire d'autres vlogs. Alors oui, c'est prévu. Enfin c'est prévu, non, oui je compte en refaire mais je ne sais pas encore quand, il faudrait que j'aie une occasion, je pense que samedi une vidéo avec quelques images du concert de Katy Perry auquel j'ai eu la chance d'assister la semaine dernière, eh bien il y aura une vidéo avec quelques images, ce sera pas un vrai vlog parce que je ne parle pas, parce que je voulais vraiment économiser ma batterie et la place qui me restait sur mon téléphone, mais en tout cas oui je vais refaire d'autres vlogs si j'en ai l'occasion. Elle me demande aussi quelle est ma pire honte, quelle a été ma pire honte, dévoile-nous un dossier sur toi. Alors les dossiers avec moi c'est pas ce qui manque, je suis Miss Catastrophe, je suis la fille la plus malchanceuse du monde je pense, et par contre là ma pire honte je sais pas, il y en a pas une énorme qui arrive comme ça dont je me souviens vraiment, enfin je me souviens d'une fois, c'est un dossier, c'est pas forcément ma pire honte mais je me souviens d'une fois où j'étais allée dans un parc d'attractions, vous savez quand vous êtes en vacances là, où il y a un petit Luna Park, vous dites est-ce qu'on peut y aller? Eh bien on y va, et on était avec, je crois que j'étais avec ma famille ou des amis, je ne sais plus, bref, on fait la maison du rire, vous savez ce palace, le palais des glaces qui est censé vous faire rire, hein. Donc on fait la maison du rire, et vous savez à la fin il y a toujours un petit jet d'air, qui souffle de l'air quoi, et c'est censé vous faire peur, c'est le dernier truc, la dernière attraction du palais avant que vous ne sortiez, sauf que ce jour là et eh bien j'étais en robe bustier, voilà une robe bustier, vous voyez à quoi ça ressemble, et donc au moment de passer mais j'avais pas capté que j'étais en robe hein. Alors là donc l'air sort, ma robe se monte. Seul réflexe, rattraper le bas, sauf que vu que c'était bustier, j'ai rattrapé le bas mais le haut est tombé. Donc j'étais un peu mal à l'aise devant tout le monde, hein. Voilà, je me suis retrouvée à poil devant tout le monde. Bref, passe-moi. Question suivante, quel est ton sport ou ton activité préférée? Mon quoi? Sport? C'est quoi ça? Non, je suis pas très très sportive, enfin si, mais bon... C'est pas la première chose à laquelle je pense, mais en tout cas un sport que j'aime beaucoup c'est l'escalade, j'aime beaucoup l'escalade. Et une activité préférée, ben c'est peut-être cliché mais c'est faire des vidéos, enfin c'est pas mon... Comment dire, c'est pas la première chose que je fais quand j'ai du temps libre, hein. Mais j'aime beaucoup faire des vidéos, filmer, monter, voilà. Mais j'aime beaucoup sortir avec mes amis, aller au cinéma, ça c'est un truc que j'adore. Faire, aller au cinéma et chanter,
Voilà, Miss Holy Girl me demande « Pourrais-tu faire une vidéo où tu appelles tes abonnés ?» Oui, c'est prévu à l'occasion de ma 100e vidéo donc qui arrive bientôt. Donc j'ai créé un formulaire que je vous mets dans la barre d'infos, allez le voir, s'il vous plaît, allez le remplir, c'est pour que je puisse vous appeler. Mais de toute façon je ferai une mini vidéo explicative pour vous dire que je lance ce Calling People, mais si vous voulez le remplir en avant-première, c'est un petit questionnaire où je vous demande votre prénom, votre adresse, enfin pas votre adresse, votre pays, votre numéro de téléphone, et seul moi pour avoir ces réponses. Donc ne vous inquiétez pas, votre numéro ou vos informations personnelles ne seront communiquées à personne, donc uniquement moi pourrai voir ça. Et voilà, donc si vous voulez aller remplir le questionnaire en avant-première, il sera dans la barre d'infos. D'ailleurs je me suis éclatée à le faire, j'aime trop faire des questionnaires, c'est trop cool. Et as-tu des relations avec des youtubeuses ou youtubeurs connus? Alors ça fait un moment que j'hésite à vous le dire. Voilà, je suis la cousine de Joy Félix, d'ailleurs je pense que ça se voit, on se ressemble. Voilà. Non, c'est complètement faux, c'était une boutade, ah je vous ai bien lu. Oui je sais, c'était pas drôle, bon c'est pas grave, certains diront c'est pour faire des vues. Non, c'était juste parce que j'avais envie de faire ça, voilà. Non, j'ai pas de relation avec des youtubeurs connus, vraiment connus. J'en ai rencontré pas mal mais c'est pas des amis ou voilà. Après je sais que si j'envoie un message à Amy de la chaîne Amy Makeup Pro, enfin si je lui envoie un message, un tweet ou quelque chose comme ça, elle me reconnaîtra, mais c'est la seule personne je pense. Et peut-être aussi Anna de Mademoiselle Peachy 03, mais après non, je ne côtoie pas des youtubeurs connus fréquemment. Marie me demande depuis quand je fais mon trait d'eyeliner et comment réagissent mes parents. Mon trait d'eyeliner, je le fais depuis que j'ai 13 ans et je trouve ça très très jeune quand j'y repense. Et je sais que j'ai seulement 14 ans, mais enfin pour moi dans ma tête j'ai déjà 25 ans, c'est bon, laissez tomber quoi. Enfin je vais avoir 15 ans. Je vais avoir 15 ans et je trouve que c'est plus raisonnable, mais c'est vrai que quand j'y repense, bah, 13 ans c'est jeune quoi. C'est un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Et comment ont réagi mes parents? Bah, ils ont très bien réagi, il n'y a pas eu de problème. Ma mère ne m'a rien dit, elle n'était pas totalement pour, enfin, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est elle qui m'a acheté mon eyeliner, c'est voilà. Après, mon père était peut-être un petit peu plus réticent, il a essayé de me glisser des petits appels dans ses paroles, du genre, tu sais, des fois, même sans maquillage, on est très jolie, voilà. Mais maintenant, ils se sont complètement... Maintenant ils se sont complètement habitués et bah, je pense que de nos jours après c'est une question de génération et notre génération veut faire les choses beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt et voilà. Alors Melinda me demande si tu devais choisir entre Koh Lanta et P.E.K.K.A Express, que choisirais-tu et pourquoi? Eh bien tu es horrible parce que c'est une question horrible. Je pense que je choisirais... À regarder, je choisirais Koh Lanta parce que j'adore regarder ça, mais à faire, participer, je dirais P.E.K.K.A Express totalement parce que déjà je ne suis pas qualifiée pour Koh Lanta, hein. Je n'ai pas le mental et le physique pour, mais P.E.K.K.A Express ça doit être une expérience de dingue, une expérience humaine et j'ai la rage de gagner, donc voilà, j'adore gagner, voilà, c'est... Donc P.E.K.K.A Express. Quelle est ta destination de rêve? Fais-nous rêver. Ah. Vous savez que j'adorerais vivre aux États-Unis et tout ça, enfin quelques-uns le savent, mais vraiment un truc que je veux faire dans ma vie, c'est au moins une fois aller voir le Taj Mahal, ça doit être magnifique. Le Taj Mahal en Inde, c'est... je crois que c'est l'une des 7 merveilles du monde, donc... bah, ça se trouve je dis une grosse connerie, hein, mais bon. Et voilà, y aller en amoureux et qu'on me demande en mariage là-bas. Bon là je rêve un petit peu trop, mais si mon futur mari passe par là... On ne sait jamais. Et enfin, de qui vient l'expression choquette? Tu n'es pas obligée d'y répondre car on connaît toutes les deux la réponse. Eh bien non, je ne connaissais pas la réponse, Melinda, tu me l'as dit. Donc apparemment ça vient de toi, mais sache que je le disais bien avant de te connaître. Question suivante d'Eva qui me demande ce que je pense des tatouages. Alors certains le savent, je suis une fan de tatouages, je trouve ça très joli, enfin certains, hein. Et j'en veux de partout, j'en veux plein, mais plus l'âge de la majorité se rapproche de moi, plus j'hésite à franchir le pas, hein. Mais j'aime beaucoup ça, et bon après je commence un petit peu à changer d'avis, mais bon, voilà.
Et enfin, est-ce que j'aime les pâtes? Mais Eva, les pâtes, c'est la vie. Quand je n'ai rien à manger, je fais des pâtes. Quand j'ai des choses à manger, je fais des pâtes. Quand j'ai faim, je fais des pâtes. Et non, je ne mange pas des pâtes tous les jours. Mais les pâtes, mais c'est la vie. Dans la question suivante, Rachel me dit, tu vas à quel collège? Alors je sais que j'avais dit que je répondrais à tout, mais il y a des limites quand même, donc je vais dans un collège basique. De toute façon, l'année prochaine, je passe au lycée. Mais voilà, je vais pas répondre à cette question. Aimes-tu Harry Potter? Harry Potter, c'est la vie, c'est comme les pâtes. C'est... Oh, Harry Potter, mais non, mais... Mais j'adore Harry Potter, c'est mon enfance, j'ai grandi avec Harry Potter, vous voyez. Bon voilà, maintenant je me dis qu'ils ont je sais pas quel âge et que voilà, c'est foutu, mais bon. Harry Potter, c'est la vie d'ailleurs. Regardez-moi mon sublime bracelet avec les signes des reliques de la mort et tout ça. Voilà, j'adore. Donc si jamais il y a des abonnés qui sont fans d'Harry Potter, un jour si vous voulez qu'on se fasse une soirée ou du moins une journée parce qu'il nous faudra du temps Harry Potter, eh bien on se les regardera tous ensemble. Et enfin, tu aimes mieux le vernis, le maquillage ou la coiffure? Donc, le vernis, je me suis pété absolument tous les ongles. Donc, c'est un petit peu compliqué. La coiffure, je pense que vous voyez ce que ça donne. Je me suis coiffée 4 fois ce matin. Enfin, j'ai essayé 4 fois des choses. Spécimen. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je dirais le maquillage parce que c'est la chose dans laquelle je suis plus douée entre le vernis et la coiffure. Question suivante. Est-ce que tu pourrais te créer un compte Instagram? Car je n'ai pas Snapchat et Twitter. J'ai que Facebook et Instagram. Alors, mais tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos à chaque fois. C'est Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube. Je ne vais pas faire de compte Instagram. Tout simplement parce que je n'utilise pas Instagram. J'ai un compte personnel, j'y vais très rarement. Je suis pas trop photo, je suis plus vidéo, voyez-vous. D'ailleurs sur Snapchat je fais que ça et ça doit en énerver plus d'une, ou plus d'une personne du moins. Mais voilà, je suis désolée, je vais pas créer de compte Instagram tout simplement parce que il serait vide et inoccupé et c'est pas trop le but. Et ensuite, quel est ton pays préféré? J'ai pas fait beaucoup de pays, hein. J'ai fait la France, l'Espagne, l'Italie vite fait et vite fait le Royaume-Uni. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Ah si, j'ai fait la République Dominicaine. Oh, c'était trop bien. Mon pays préféré, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est les États-Unis. J'y suis jamais allée, mais c'est un rêve. Et de toute façon, c'est pas un rêve, c'est une concrétisation. Je vais y aller, je vais y vivre, je suis déterminée. Voilà. Et donc voilà, les États-Unis. Léna me demande pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. Eh bien, c'est bateau. J'ai pas eu de grands événements dans ma vie qui ont fait... qui ont fait que je me suis dit bah tiens je vais faire des vidéos sur YouTube pour aller mieux. C'est juste que je regardais, enfin non je regardais même pas les vidéos, j'en ai vu une ou deux et je me suis dit mais ça a l'air pas mal. J'avais le matos entre guillemets, un mini caméscope qui fait une qualité désastreuse et je me suis lancée et j'ai pris goût à parler à cette caméra et voilà, c'était juste, je me suis dit si les autres le font pourquoi pas moi, et ça commence un petit peu à payer. Et enfin, pourquoi Be a Girl? Pourquoi pas? Non, c'est très compliqué de trouver un pseudo pour créer une chaîne, c'est très très compliqué. Mais ça m'est venu comme ça en fait, je me suis dit sur ma chaîne je veux parler de tout ce que fait une fille, c'est-à-dire pas seulement le maquillage, pas seulement la coiffure, pas seulement les ongles et tout, mais vraiment tout ce que Dame Nature nous a donné, hein, cette gentille Dame Nature. Voilà, et je me suis dit, bah aussi simple que ça, be a girl, être une fille, et puis au moins c'est un petit peu ma marque de fabrique, entre guillemets, parce que bah, je sais que personne d'autre, ou alors très peu de personnes, prennent ce pseudo. Agathe me demande quelle est ma série préférée, et toi je te déteste parce que tu es horrible, hein, non mais sérieusement, tu me demandes de choisir une série parmi, attention TV Showtime en action, 24 séries? Les gars. Alors, je vais tricher, je vais en dire plusieurs. Desperate Housewives, c'est la vie. Tout le monde a fini cette série, j'espère. American Horror Story, c'est trop cool. Enfin, la saison 1 est carrément bizarre. La saison 2 est à tomber par terre, j'ai adoré. Et la saison 3, j'ai un peu plus de mal à accrocher, mais bon, j'ai un peu plus de mal à accrocher. J'arrive plus à parler.
Mais voilà, Awkward, c'est super fun si vous voulez passer un bon moment. Il faut que j'arrête de crier, j'ai l'impression que je crie. Once Upon a Time, c'est cool. Pretty Little Liars, ça devient lassant. Mais bon, je regarde quand même. Hein. Vampire Diaries, j'ai fait un gros break parce que j'en peux plus. Et enfin, Under the Dome, c'est super super cool. J'oublie sûrement des séries, mais voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur toutes les séries que je suis et que j'aimerais bien suivre. Qui sait? Alors, question suivante. Emma me demande, est-ce que j'aime So Urban Girl et son style? Alors, avant de voir ton commentaire, je ne connaissais pas So Urban Girl. Alors, je suis allée voir. Et en fait, si, finalement, je connaissais, mais juste que je ne connaissais pas son nom. Alors, je ne suis pas abonnée, mais je trouve qu'elle a un style qui lui correspond. Ça lui va très très bien. Elle a de la chance d'avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. Enfin, genre, être égérie Adidas et tout ça à son âge. Donc, tant mieux pour elle. Mais après, c'est pas... Je ne suis pas abonnée à sa chaîne, donc je ne regarde pas. Mais je ne déteste pas, attention hein. Audimille, seras-tu encore à répondre à tous nos commentaires? Eh bien j'espère, je vois pas pourquoi je le ferai pas, ça sera peut-être plus long, plus difficile, mais je ferai tout mon possible pour y répondre. C'est l'une des choses les plus importantes dans YouTube je pense, parce que certes sortir une vidéo c'est bien, sortir une vidéo avec du contenu intéressant c'est encore mieux, mais ce qui est encore mieux c'est de connaître vos avis, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, c'est mieux quoi, donc je ferai tout pour. Et puis 10 000 c'est pas 100 000 non plus. As-tu fait les soldes? Eh bien oui, je l'ai fait les soldes, d'ailleurs je vous ai posté un haul. À la dernière semaine de cours, vas-tu te déguiser? Alors je pense que tu es dans mon collège. Of course! C'est prévu, c'est juste obligatoire, c'est un passage obligatoire dans, ton parcours au collège, tu vois. Donc oui, je vais me déguiser, d'ailleurs certains thèmes sont déjà en réflexion. Et j'espère que ça va être trop cool et que ça sera comme les années précédentes et... Qui sait, peut-être encore mieux. Et enfin, as-tu réussi à passer la SSS? Je l'ai pas encore passée, je la passe, je crois, dès que je rentre en cours. Mais en tout cas, si tu parles de l'épreuve de la conduite, oui, j'ai renversé aucun plot. J'étais plutôt à l'aise, genre avec mon petit volant comme ça. Non, j'étais carrément stressée, mais j'ai réussi. Et c'est pas sorti à passer la SSR, donc voilà. Et enfin, la dernière question de Léa qui me demande... est-ce que tu viendras en Lorraine, genre Nancy? Eh bien comme je l'ai dit dans la première question, le meet-up c'est carrément bizarre, enfin c'est un sujet un petit peu tabou parce que c'est un peu compliqué à mon âge, mais venir en Lorraine, je ne connais personne en Lorraine, alors peut-être qu'un jour, si Dieu veut, peut-être qu'un jour je viendrai en Lorraine, et peut-être à Nancy, qui sait. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais vous, enfin comprenez qu'une vidéo FAQ c'est long, et on veut vraiment répondre à tous vos commentaires, et là encore je trouve que j'ai eu pas mal de questions, mais c'était raisonnable, donc tant mieux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller remplir le formulaire pour le Calling People. People, oh, accent très bizarre. Le Calling People. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Bref, le formulaire pour que je vous appelle. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!